faites peur. Allez. Let's go, je fais démarrer. Apparemment, c'est let's go. Putain, ça commence déjà. Allez. Alors, une phrase, les gars. Ah. On a un thème, on a une assez libre. On a un petit délai quand même. Idée. Okay. C'est impeccable, bah ouais, écoute. Voilà. Je commence gentiment, hein. Oui, bien sûr. Ah, on commence, oui, sûr. On commence gentiment. Hein. Ah, gentiment, bon. Attends, ça a pas pris ma phrase? Si. Pas la. Voilà. C'est pas mal. Ça commence bien. On a commencé très simple. Bonne phrase. Hein. Ma phrase est éclatée, hein, je vous le dis tout de suite. On a commencé très très simple. Ouais. Oui. Ah, voilà. J'ai une suggestion de qualité sur mon. Allez, let's go. Oh putain. Oh, ah oui. Ah, c'est bien. Oh, c'est parti. Sérieux. Complètement facile ça. Comment vous voulez que allez, je fasse go. Ça. Ah oh, putain. C'est quoi les outils? Ça va vite. C'est ça. Oh. C'est une horreur. Je suis désolé. Oh là. Attends, je suis chaud. Hein. Je fais pas ce que je fais. Oh là là, le temps. Oh le temps. J'ai voulu faire trop de détails. Eh mais j'ai une idée, je ça fait. Ok, bah let's go. Machin. Ah non, non. C'est parti, je suppose, hein, je suis déjà désolé. Hop. Attends. Je suis un peu rouillé, mais écoute. Et enfer. Merde. Putain, je suis plus habitué du tout. Voilà. On reconnaît. Let's go! Moi, c'est validé, c'est validé. Putain, c'est la merde. Oh putain, ça y est, maintenant c'est la description. Bah, forcément. Mais attendez, mais. Dites-moi. Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Ça? C'est au singulier. Très bien, ça. Ça me paraît pas mal. Simplement écrit. C'est superbe. Merci beaucoup. Hop. Ouais, d'accord. Salut Mikaelio. Ok. Aucune autre idée. Ok, c'est fort. Ah ouais, lui je l'ai. Les gars, quand vous écrivez une phrase, vous imaginez qu'il faut dessiner derrière? Hop. Mais il ne peut plus. Mais comment? Non, ben non. Ah, c'est stressant. Franchement, ça m'énerve. Putain, je sais pas. On a quoi déjà ça? C'est super, hein, tout va bien se passer. Hop. Il me manque un détail, moi. Oh, putain, mais le temps de merde. Raison. Ça me le temps, c'est infernal. Moi, j'ai le temps de rien finir. Ouais. Ah, attends, je suis un deuxième bras quand même. Et écoute, on va faire pareil, hein. Ouais, ça me va. Ouais. Mais ça se voit pas, ça, putain. Eh. En vrai. Petit. Moi, tant que ça se comprend, super, bah. Ça me va. Ah, moi, ça va, désolé du coup. Tant que ça se comprend, ça me va. Hop là. Incroyable. Mais quoi celui qui va avoir mon dessin, il a littéralement une photo entre les mains. Moi, je c'est du surréalisme là que j'ai fait là. C'est plus vrai que nature. Deuxième photo carré. Quelques secondes encore. Oh là 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 là. Dans les proportions. On a compris le chat, ça va, le chat m'a validé. Ah oui. Putain, mais what the fuck. Voilà, ce genre de délire est en train de débarquer sur ma propre chaîne et ça on sent quand même le beau dessin de Ravage. Et c'est cette histoire. Wow. Je sais pas, on va dire ça. Histoire, mais allez, on va être un truc comme ça, ça doit aller, non? Je sais pas. On va rester là-dessus, hein. On est bien, là. On va te reprendre. Comment je fais ça? Au secours. Alors, Non. Y a que ça en couleur, on peut pas... Non, y a que ça en couleur. On respecte les couleurs, s'il vous plaît. Voilà, du coup, mon talent est entravé. C'est pas casto, non plus. On va faire de la perse, vous allez voir. On a dit on a le droit au logo, au truc dans le genre, on n'a pas le droit d'écrire, c'est ça? Ouais, en fait, des onomatopées, des sigles, on va dire c'est good. Ah, ouais, c'est parfait. Il y a du mal là sur ton dessin. Non, ça va pas, merde, ça va pas, okay. ça va pas. Voilà, très bien. Hop là. Alors. Non, c'est pas grave, ça va le faire, les gars. Oh, oh.
attends. C'est qualité. Attends. T'en bouges pas. Bon, ça ressemble à quelque chose, mais je veux pas que ça ressemble à ça. On va partir son cœur comme ça. On est tous en galère, c'est un truc de ouf. Oh, c'est un enfer, là, vraiment. Certains plus que d'autres. Bon, bah, je re... Oh là là. On vient d'utiliser l'expression littéralement « Oh, le massacre ». D'accord, ok. Ouais, on en est là. Mais... On en est là. Pas mal, non ? Le massacre. Ah oui, c'est un t-shirt, hein, c'est... j'essaie de faire une tenue comme je peux. C'est pas mal. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Ouais, il me reste plus de temps, c'est chaud. Aïe, c'est la merde aussi. C'est le catch, ça. On est tous dans la merde. Je voilà. Sais pas comment. Ouais. Allez, let's go. Mais non. Mais c'est vrai que les deux. Oh là. Allez, petit flanqui. Ouais, c'est bon. Ah, on comprend. Il y a l'idée, c'est l'intention qui compte. C'est bon. En mode là, c'est bon. Là, c'est bon. Ah merde, non. Je comprends ce que j'ai fait quand même. Vous avez vu quand même cette concentration incroyable. Le focus est bien sûr. On comprend. On comprend. J'ai oublié quelque chose, forcément. Bien. Voilà. C'est l'enfer. Il est parfait. Ok. Voilà. Oh là là. Aïe. Il y en a qui gèrent. Par contre, ouais, là, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a des dessins, c'est classe. Ah ouais, moi celui que j'ai. Sûrement les miens. Oh, pas mettre ça. Pas tout ce que c'est. Ah. On peut pas faire que écrire les phrases. Ah, c'est bien écrire les phrases, en réalité. Ouais. Mais la partie de dessin est importante. Si on tombe pas sur mon dessin, en tout cas. Il est partout, lui, c'est pas possible. Pardon. Non, mais il y a vraiment des gens qui abusent, là, les phrases, là. Oh, calme. Ah, fond. Et on va regarder ce qu'on va faire ici. J'ai pas assez cool. Ici, on est des fous. Il y a des mots, techniquement, tu peux pas les représenter en dessin, c'est pas possible. On peut tout représenter en dessin. Non, il y a des choses qui ne se dessinent pas. Il y a des choses qui peuvent se dessiner. Il y a des choses qui sont illégales de dessiner. C'est vrai que ça aussi, il y a des choses illégales à dessiner, on est d'accord. On est pas. Alors, je précise à mon chat qu'il ne fait plus de muscu, désormais, c'est terminé. Merde, c'est dans quel sens le... C'est dans quel sens ? Sens-là ? Ah oui, et on avait dit ça. Ça va. On se trompe pas, voilà, on se trompe pas. Franchement, là, je fais un truc giga propre. On se trompe pas, Ça passe, ça passe. On est bien. Ça passe. Ça passe pas. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je me casse? Écoute, je veux mettre du détail. Je peux pas faire mieux. Non. C'est la merde. Il a tellement de détails. On a mis du détail de ouf. Je remercie la phrase sur laquelle je suis tombé parce que c'était. C'est du photoréalisme là. C'est dans l'autre sens. Non mais par contre, le jaune étant... C'est pas grave, on invente un nouveau pays, au pire. Tout va bien. Ouais, non mais c'est quoi de ces gens qui font des dessins qui ressemblent à des trucs sans déconner. Mais mince alors, mais... Quoi? Alors. Bah écoute... Je pense que c'est ça, hein. Là, il y a eu un effort sur la moitié. Ah, bien sûr. On me carie des trucs, mais on est d'accord. On me carie, on est d'accord. C'est exactement ça. Ah voilà. C'est vrai qu'il est unijambiste. Si ça se trouve, c'est Zach Gowen cosplayé. Ah ben voilà. Let's go. Les résultats. Bon, on va voir le résultat. Ah, le moment t'as attendu. Allez, c'est parti. Le moment qui me fait peur à chaque fois, personnellement. Mais bon. Ah, le moment qui est frais. Ouais, le stress, il grimpe là, quand même. C'est le moment de l'humiliation. D'autant plus que, d'après ce que j'ai entendu de ce que vous avez dit, il y a des gens vraiment qui maîtrisent. Il y a des choses comme ça. Ça ressemble à quelque chose, en tout cas, tu vois. La maîtrise. C'est perceptible. Nous, on est dans le concept, Lucas. Je pense qu'on est dans la même team. Ludivine, tu vois Andy Warhol, c'est nous. C'est un peu ça. Let's go! Let's go! Sacha Banks, Sijol, Elix, tiré ce ligne. Ah oui, merci. Hein. Okay. Ah oui, bonjour, ravi. D'accord. Très bien. Ok, c'est propre. J'ai mis le journal rouge. Ah ouais, c'est beau. Il y a l'idée. Voilà, c'est ça.
On peut pas rendre les trucs anonymes là, ne pas voir qui dessine, qui écrit. Bah non, c'est pas... juste comme ça. Non, c'est pas drôle. Ça. Faire, mais... Ouais, mais. Il y a pas avant. Sacha Banks, ses cheveux violets à elle. Violet à elle et... On a gardé la même compagnie, hein. Sacha Banks s'est resté pour le moment. Cheveux violets, donc c'est une autre version de Sacha Banks qui a signé. Exactement. Ok, c'est beau. Quand même, elle a la bague la plus grosse de tous les temps, quand même. Eh bien, je suis désolé. Oh non, ah merde, Lucky. Sacha Banks, Sacha Banks. Mais t'es foilier, non, ça y est, il commence direct, lui. Mais c'est fou. Ouais. Mais non, c'était l'entrée du milieu, tu vois. Pas vu. Ce n'est pas ce que ça a l'air d'être, hein. C'est vraiment Rap Contenders. Hein. Non, mais monsieur Oki. Il y a Wojtek sur le côté, non? Ça partit oui, en haut à droite. Il y a Wojtek, il y a Christian Cage maintenant également. Pas mal, ah oui, pas mal. Bien vu. Le GOAT. Le syndicat de Sacha. Oh oui, Sacha. J'ai pas compris ce que c'était. Ah ouais, non, voilà, mais le syndicat, ça, mais ouais. Syndicat, comment ça se dessine un syndicat? Mais on a gardé Sacha Banks jusqu'au bout, hein. Par contre, c'est beau. Ah, voilà. C'est les cheveux, bien sûr. Non. Ah oui, ouais. Elle est maillot jaune, elle a peut-être gagné des étapes. Mais non, mais c'est un gilet Sacha jaune. Dit non. Et en fait, on a tout gardé. C'est pas mal. Hein. C'est pas mal. Elle est all elite, mais en fait, parce qu'elle a dit non à la base. Franchement, on a commencé elle par a de la grosse cohérence. On peut s'applaudir. C'est franchement, bravo. Pour la première de chauffe, c'est pas mal. Je pense qu'on est. On a au moins gardé un élément de la phrase originale. On est pas mal. On est pas mal. On est fort. Hein, je repartage les multiplex, hein, parce que vous pourrez bien entendu aller voir tout le monde dessiner pour la prochaine manche. Et c'est Trafalgar qui choisit cette première phrase qui est... Putain, c'était toi, je pensais que c'était... C'était ça. Je pensais que c'était Rabi, ça. Ah oui, ben... Ouais. Ah ben oui. Il est trop bien joué. Ah ben oui. Les manettes de Switch. Franchement, il y a du skill, hein. Bah oui, non, c'est trop bien. Stone Cold qui joue à Zelda. Alors, je suis un peu triste qu'elle ait pas reconnu Breath of the Wild. Oui, quand même. Mais. Attends encore quelques manches et tu vas voir que tu vas pas du tout reconnaître ni Zelda. Attends. Monsieur Quack, pourquoi il est tout nu, Steve Austin? Il manque quelques éléments, mais. Franchement, c'était pas précisé la tenue. Ah, c'est vrai. C'est pas. C'est vrai. Chaud, c'est l'été, donc voilà. Donc, toi, par défaut, il est à poil. Par défaut, il est à poil. Si on ne précise pas la tenue, c'est à poil. Par défaut, c'est à poil. Ok, let's go. Stone Cold sur Breath of the Wild. Il fait des doigts. Par contre, il est trop fort. On a récupéré Breath of the Wild. C'est le début de la fin. Ah merde, Lucky. Mais voilà. Le tipi. C'est toujours le même. Mais quelle horreur. Paysage. Il joue là, il est vraiment dedans. Franchement, à part le Zelda, ça va. Il est à droite ou à gauche, Zelda? C'est Link. Il est à droite, il dit pas à droite. Ouais, à droite, c'est Link. Bien sûr. Stone Cold, on reconnaît. Stone Cold, il est très propre. Merci. Stone Cold, c'est une capture d'écran. Mais pourquoi t'as écrit paysage? Bah parce que je savais pas comment faire le paysage, les arbres et tout, j'avais pas assez de temps. Toi, tu savais pas comment on faisait un paysage? Tu me déçois, Lucky. C'est le temps qui manque. C'est le temps. Steve aussi une rencontre Jésus. Et là, je suis désolé pour ce qui arrive. C'est là que ça glisse. En fait, j'ai tout donné sur Wimbledon et pas sur les personnages. Ah ouais, t'as tout donné. Ah oui. Mais non, mais très bien. Il y avait peut-être moyen de s'en sortir. Procrate, normalement, tu dois bien connaître Nico. T'as dû enchaîner. Bah alors, j'allais mettre Wimbledon, j'ai pas eu le temps d'écrire. Un homme avec une bière, bien sûr. On a tout perdu. On a gardé la bière de Stone Cold, c'est tout. Hein. Ouais. C'est pas mal, c'est un bon début déjà. Ah, moi je pense que Nico il a plus fait dérailler le truc que Lucky pour le coup. Hein. Bah attends, vrai, non. Si. Ah, on a gardé Steve Austin avec Lucky. Hein. Ouais, mais au moment où on parle de Jésus à Wimbledon aussi. Puis innocent à un moment. Pardon. Victime de la ouais, attends, mais c'est vrai, Rabi, pourquoi t'as... Ah ouais, tu pensais que c'était une auréole, Rabi? Bah oui. Moi, je vois un truc vert, je me dis, c'est à Wimbledon, voilà, il joue au tennis, quoi. Rabi, enfin, c'est les cheveux de Link. Les cheveux de Link. Mais c'est plus Donald Trump que Link, là. Hein. Ouais, c'est vrai aussi. Ça va. Exactement. Oui. Bon. Et il tient plus un gourdin qu'une raquette ou une épée.
Aïe aïe aïe. J'en suis confus. Oh putain, la phrase de Procrash, j'ai peur parce que c'est Univercat, vous le savez. Et... Non, John Cena à la muscu. Oh, c'est gentil. J'ai fait de mon mieux, je suis désolé. Je suis allé à l'essentiel. Mais très bien. C'était un bon essentiel. Les yeux bleus. Ah, attention, Nico fout la merde. John Cena à la muscu. À la muscu. Non. Ou pas du tout. J'ai même corrigé la faute d'orthographe de Nathan. C'est dire. Est-ce que c'est la merde. Beau gosse. Alors, bonsoir. Ben voilà, oui. Ah ouais, bah non. Ah oui, non. Bah never give up. En plus, je passe toujours derrière Lucas, mais c'est pas possible. Bah never give up. Les muscles sont là. Les muscles. Et les muscles, parlons. Mais c'est des brassières. Mais non, c'est des. C'est ah, des mais si, c'est des brassières, pardon. Je sais comment ça a tourné. Ah, ben voilà, bien bah sûr. Bah oui. Non, mais bien sûr. Bah, il a sa serviette, il a les brassières, voilà, c'est bon quoi. Ah, on oui, garde non, quand même une forme de musculation en quelque sorte. Je comprends. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Ah, Ravage, il est beau. Hein. Superbe. Ah, il dessine bien. Il est trop fort. L'effort des tétons. John Cena, j'ai juste posé des tendus. Voilà. Bon, il est moyennement posé et détendu, mais franchement, il y a la piscine. Bah, ça va, il est bien. Par contre, monsieur Coin, qui l'a fait sans casquette, vu qu'il a enlevé son bonnet. Il s'est dit, exact. Maintenant j'enlève les couvre-chefs de tout le monde. Voilà. Maintenant c'est nu ou au moins sans couvre-chef. John Cena à la John plage. Cena à la plage. Oh non. Ah. Ouais, on a perdu le concept de piscine. Bon, et franchement, ça va, on a gardé John Cena du début à la fin. Bah oui, là ça va. Ça va. Ouais, finalement, je suis pas si mauvais. Bon, on a jamais douté de toi, Lucky. Avec Lucas, hein. Lucky, on a jamais douté de toi. Ouais. On a jamais douté de toi, pas une seule seconde. Je te remercie. Ludivine. Les grosses chaussettes bleues. Ah, je m'en doutais. J'ai la même phrase. Attends, quoi? T'as la même phrase? Moi, oui. Mais alors, ouais. Ça, oui. Il y a un complot, là. Non, mais moi, au moins, je fais des choses qui sont dessinables. Je dis des choses qui sont dessinables. Ouais. C'est pas ouais, mais avec tes délires de fétichisme de chaussettes bleues, là, c'est chaud. Ah bah, attends, parce que cette phrase-là, moi, pour moi, elle va revenir. Après, moi, il y en avait qu'une. Hein. Je l'ai mis au singulier. Oui, donc c'est... Exactement. Mais c'est ça. En même temps, il y en a qu'une de dessinée. Ouais. Alors... Donc moi j'ai vu passer qu'une seule chaussette bleue de toute la partie. Donc si vous me dites qu'il y en a deux, ah moi j'en ai le vu deux. Le fétichisme des grosses chaussettes bleues. Le fétichisme. C'est le pire. C'est parce que j'ai la rêve. Malheureusement, je fais des cauchemars maintenant. Depuis que Ludivine a reparlé de ça en stream, c'est terminé quoi. Ah ça. Tant que j'en parle pas en stream, tout va bien. Tire la langue. Franchement, ouais. C'est gardé. L'amour fou l'amour pour les chaussettes pour bleues, les c'est, bleues. Bon. C'est beau. On va le tenir jusqu'au bout. Hein. Ah, bon, peut-être pas finalement. Ah, ça va. Franchement, le dessin de Lucas et le dessin de Rabi, à peu de choses près, ça se ressemble. Hein. Vous êtes sur des skills similaires. Ah oui, oui. Il y a un talent, il y a les cœurs, il y a les chaussettes. On dirait la Corse. On a récupéré le fétichisme, incroyable. Voilà, c'est bravo. Incroyable. C'était pas au début. Bref. Ça, c'était le petit tour de... Ça va. C'est resté propre. Nico, il me fait peur. Ravage, capture un pont. Ça va. Attends, le prochain tour. Ah putain, mais je crois que... Là je m'excuse. Je m'excuse pour ce qui arrive. J'ai fait de mon mieux. Alors, Ravage, est-ce que tu te reconnais en photo, là, ça va? Grave. Grave, hein. Donc Lucky, normalement, tu nous as pas chié ça. Hein. Donc, c'est pas... Je t'en prie, affiche. Rappel Pikachu avec sa Pokéball. Okay. Eh, quand même. Lucky. On se comprend, alors, Lucas. Je suis désolé, j'avais pas le masque en tête. Donc j'ai fait un masque, on dirait plus stupéflip, mais bon. C'est... Ah oui. En fait, je deviens Todd, quoi. Ouais. Je suis désolé. Désolé. Je suis désolé. Hein, je... Mais le glacier attrape Pikachu. Ah, putain, c'est le glacier après, ok. Mais ça m'inquiète pas, c'est pas si glacé non plus. Ban Twitch direct quoi. Shit. Il tue. Pas mal, pas mal. Ah, j'ai dû aller comment vite parce que j'ai perdu trop de temps sur le glacier. Sacha sans casquette qui attrape Pikachu. Oh non. On est passé à Sacha, on a perdu le glacier quoi. Je sais, mais vous savez qu'on va partir sur complètement de choses là. War Ravage. War Ravage. Là, je remercie Sega Foval. Ça, c'est pas moi. Cette réponse, c'est pas moi, c'est Sega Foval. Donc, Sacha, sans casquette, c'est Sacha sans tête hein, pour Ravage. Oui.
C'est le Sacha lobotomisé, tu vois. Ton Pikachu, il est insane. Hein. Il y a mon chat qui est ravi de voir ce Pikachu de grande qualité. Pika-breaker. Voilà. C'est un mot. Bah, on a gardé un Pikachu, même si on était sur un Pokémon à la base. Ok. Effectivement. Pas mal. Bon premier tour de chauffe. J'avais zéro inspi. J'avais mis une phrase trop compliquée. Donc voilà. Ah, c'est ça. Ouh, ouais, là j'ai tout donné. Vraiment. Franchement, il est facile. Il est donné. Ah, je suis désolé. Ah, j'ai tout donné là. Nico. Il y a une main qui était un peu juste, mais ça va. C'est pas mal. Quoi. Le peintre. Ah, oui. Ah mais c'est ça alors, d'accord. Bien sûr. Oh, non mais il est propre par contre. Un beau peintre Kogan, on est d'accord. Hein. Ah, très bien. Bien. Voilà. Hulk Hogan qui fait de la peinture. Trav va revenir au peintre Kogan évidemment. Ah oui. Par contre, Trav, faut que tu m'expliques ce qui se passe entre son slip. On avait dit Twitch friendly. Hein. Bah il a un crop top. Ah c'est un crop top. Bah ouais. Il est en crop top en slip, ça va. Non, il y a une forme traf, elle est étonnante. Oui, mais... hein. En fait, c'est le ventre, c'est censé être le. C'est censé être le ventre. Mais il y a eu un manque de temps parce que je me suis trop concentré sur l'arbre et la moustache. Ah, parce que là, il y a un bout qui dépasse, on dit sur mon chat Piggy Hogan. Piggy Hogan, c'est Pidgey Weighted. Il y a un bout qui dépasse. Non, mais il y a. Non, mais. Le tabou Hogan. Ça va, on a récupéré le peintre. On a tous les mêmes rêves à ce niveau-là, quoi. À cause de qui? À cause de Rabi, quoi. Incroyable. Bravo. Bah. On retrouve les slips jaunes. Mon prof de techno en première, il serait content. Hein. Ah ouais, bah là. Hogan est devenu fini l'agriculture. Eh ben voilà. C'est vrai. Regardez le Hogan. C'est beau. Ah, c'est pas mal. Il est resté au bout. Hein. Hogan est resté. Il dabbe plus, mais il est resté. Ouais. Bon, il a jamais vraiment dabbé avec le premier dessin. Encore. Attends. Ok, bon, là, moi, je suis sur ça d'entrée de jeu. Jeu. Comment je sais qui est jeu? Moi je crois que j'ai jamais tu eu. Tu feras tourner la vidéo, Lucky? Ok, Ouais. Sur mon Twitter, je ferai tout. Là, j'ai tout donné, mais je, franchement, voilà. C'est pas mal. Oui, pas mal. Alors désolé, hein. Eh, joli, je l'ai mis en photo à la plage. Quoi? Bah, you can see me, quoi. You can see me, il est invisible. Bah oui, c'est ça. Okay. Pardon. Alors, on a perdu les chaussettes. Les chaussettes bleues, elles ont disparu déjà. Ah oui, voilà. Ah, c'est ça, d'accord. Ah, merde. John Cena est en Ukraine. Oh merde. J'avais repéré pourtant le côté photo, côté Polaroid, mais... C'est une photo, hein. Ouais. Super cool. C'est beau. Ouais, je me suis trompé pour le... Je me suis trompé, moi, pour le drapeau. C'est bleu en haut et jaune en bas. John Cena supporte l'Ukraine. Question mark. Ah, mais c'est super cool. Ouais, on s'est planté sur le drapeau. Super, putain, je sais pas dans quel sens il est. Hein. C'est ouf. Bah, on a quand même le drapeau, on a tout le. Ouais, c'est bon, on a le délire. On est pas bon. Sina, il reste, il est fort. Les chaussettes sont pas restées par contre. Mais... Les chaussettes, pas du tout. Ravage commence sur Twitch. Attends, Lucky. Alors, Ravage. Oui, Lucky, jaune. Lucky, t'es le goth. Mais alors, juste pour le concerner, Ravage, c'est toi. En vrai, ouais, il y a juste le bureau. J'ai un petit doute, mais ah bah il est petit bureau. Il faut se faire petit, il faut regresser, mon garçon. Mais est-ce que vous pensez que Lucky fait la suite ou pas là? Ben moi je peux dire. Moi je sais. Ce qui m'inquiète, ça a dérivé. Hein. Ce qui m'inquiète, c'est que je commence à connaître Lucky. C'est vrai? Ouais, je commence à te connaître. Ravage lance sa chaîne Gaïa. Oh là là! Bravo. Je commence. Ça m'inquiète de commencer à comprendre comment tu fonctionnes. Non mais tu es rentré dans mon cerveau malade, tu n'en sortiras plus. Putain, ça me fait peur, ça me fait peur. Moi c'est une photo. Oh beau! Joli, bravo! Je le garde. Mais je peux déjà vous dire que je suis désolé, c'est moi qui ai tout niqué, hein, je vous le dis. Ouais, parce que pour l'instant tout va bien, quoi. Ah oui, non, mais ça va. Voilà, ça va être évident. J'ai hésité. Franchement, j'ai hésité entre les deux. Étoile sur Twitch. Ah ouais, franchement, on aurait pu. Pas mal. T'as step up, hein. Ravage, t'es devenu étoile, c'est pas mal. Ouais.
peut-être. J'aimerais bien avoir ses abonnés. Moi, c'est déjà. Allez, allez, ouais, follow, allez follow Ravage. Oui. J'ai un peu triché, ouais, mais non, voilà quoi. Oh, il est beau. Oh, il est beau. Hein. On reconnaît l'étoile. Hein. Ah, bah non, on a perdu le match. Mais... Ah, oh, bien dommage. Oui, bien sûr. Ah, bah, bien sûr. On a gardé merci. Twitch, c'est bien ça. Toujours ça. Ouais. Bah, c'est... Malgré la performance de Lucas. L'album de Ravi, ouais, pour je pense clôturer le. Bien sûr, j'ai imprimé la photo déjà. Mais je vais te remercier. Alors j'ai pas eu ça. C'était mon tour de chauffe, donc je crois que j'ai mis vachement de temps pour pas grand chose. Non, il est beau le Warrior. Ah, il est beau, le Warrior est beau. Hein. Je voulais faire plein de chaises après. En fait, on a fait qu'une, t'as fait une chaise. J'ai fait qu'une chaise. C'était une chaise, donc ok. Je dis que personne n'a envie d'être avec Ultimate Warrior. Eh, c'est propre. C'est propre, n'empêche. C'est de ma faute. J'ai pas eu ça. Moi je dis pas je présente mes excuses. En vrai ça va. C'est Kim qui a dû se démerder avec ça. Non non, mais alors franchement, il y a une partie du dessin qui est quali. Ultimate Warrior boit pas d'eau. Voilà. Alors bah en fait on est revenu à la genèse. C'est à la base parce qu'il buvait pas d'eau. Bah oui. Et puis là il y a des rapages un peu. Moi j'ai fait un dessin, c'est pas du tout ça. Hein. C'est pas un verre d'eau, c'est un bateau. Eh ben c'est de ma faute encore une fois. Hein. Ah ouais mais non mais là Nico il pouvait pas aider Lucas, là on a dû tout perdre. Un homme masqué, une jambiste a perdu son chat. Incroyable. D'accord. Mais j'ai cru c'est beau. Que c'était un chat. Ah oui. Là, ah oui non. C'est sa jambe qu'il a perdue, qui est en train de se détacher. Je suis désolé. Bah moi je sais pas parce que visiblement il a trois jambes, il y a une jambe au milieu. Qu'est-ce qui se passe Nico? Ouais oui. Non mais il est unijambiste. Après, elle est peut-être sectionnée à mi-cuisse, tu vois, c'est... Ah mais c'était lui. Putain, on dirait c'est vraiment une photo, là. Juste pour info, sachez que sur mon chat, on me suggère d'inviter Lucky dans ma nouvelle émission Lux & Night pour qu'il nous explique comment il fonctionne. Ouais. Pour qu'on y réfléchisse. Mais dans mes DM, et avec plaisir. Slide into DM. Le Ripoman Ball, la carte Pikachu de Logan Paul. Ah oui. Rabi, tu témoignes. Hein, Bah, le Ripoman tout de suite. Hein. Voilà. Ripoman, il n'y a pas le choix. Hein. Ripoman, Zach Gowen, hein, on est d'accord. Et c'est la carte Pokémon de Logan Paul. Hein, on est... bon. C'est ça.